c'est pour ça qu'il faut toujours tout relativiser. C'est formidable pour ce pays. C'est extraordinaire parce que c'est le bonheur pour tout un pays, c'est ça qui est important. Maintenant, c'est mission accomplie, donc on verra la suite, mais c'est génial. Ça a été la fête de notre chambre, comme d'habitude. Ça a été la fête de notre chambre. Et là, comme on arrive, la qualification à la main, ça peut faire que plaisir. J'ai pas de mots, c'est beaucoup d'émotions. On est passé par toutes les émotions possibles, je pense, pendant le match. Donc, heureusement pour nous, ça s'est bien fini, donc je suis content. Je vais pas mentir, hein, j'ai eu peur, mais bon, après, une fois que le match est lancé, je suis dedans. Donc, une fois que ça commence, c'est parti, et puis on se met dedans, et puis voilà. C'est une grande fierté, et c'est que du bonheur. Hein. J'ai envie de dire comme Chris, c'est un des plus beaux jours de ma vie, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais voilà, c'était dur, on l'a fait, et voilà, félicitations à toute l'équipe et en espérant que ce soit que le début d'une grande aventure. C'est quand même une belle réussite, il y a de ça 6-7 mois et j'étais loin de tout ça, j'étais même pas en sélection ni rien. Et là voilà, c'est une fierté sur le plan sportif, sur le plan personnel, sur le plan de la famille, à tous les niveaux quoi. Je crois qu'on est tous heureux, non? Nous sommes tous heureux hein, de ce qui se passe. Merci beaucoup. Le véritable Congolais, l'héros national. Le pays, 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 le